Avec You're a Dog, le prochain extrait de l'album. Thank you. C'est avec l'album est maintenant disponible en magasin. This album is selling like hotcakes. We're excited to have you here with us tonight. Thank you. Have you heard this song? I heard this song a few months ago and it just cracked me up. Flat-chested girl, don't want a flat-chested girl, which is obviously a spin-off of yes. Short Dick Man. What do you think about that song? Well, I think that the men did that because they couldn't handle it. I think I like you more and more, girlfriend. Donc, j'ai parlé de la chanson qui s'appelle Don't Like No Flat-Chested Man, Woman. C'est une chanson qui est en quelque sorte une parodie de sa chanson, Short Dick Man. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses de cette chanson-là? Elle dit, je pense que c'est un homme qui écrit ça parce que lui, il n'était pas à la hauteur. Puis elle a toute une attitude. Elle est pas mal le fun à part de ça. N'oubliez pas qu'elle est en spectacle ce soir au Dôme de Montréal. Also, what is your favorite dance music song right now? My favorite, God, well, since my single, Your Dog's in
gonna be coming out. That's my favorite. Okay. All right. Well, obviously that's not on our top five yet, but it might just be in a few weeks. Hopefully. Do you have a video coming out for that one? We're gonna be working on it real soon. All right. Donc, possibilité d'un vidéo pour sa chanson qu'elle vient juste de nous interpréter. J'ai demandé c'était quoi sa chanson préférée dans en ce moment. Elle a dit c'est la chanson qu'elle vient de faire. C'est pas surprenant, c'est sa chanson, c'est celle qui l'a écrite, qui l'interprète. Mais nous autres, on va aller voir du côté du top 5 pour voir quel est le choix du Québec.